bu baraba mo do be yele be soata no yele na be soata c'est dire kay ngwa donc ko ko fana bu baraba voilà bu baraba be ko muso bu baraba formu ngwa donc dem zone ko ko fana bu baraba Fana, uno de los nombres de mujer más populares en Mali, y Bo Baraba, de gran trasero. Fana Bo Baraba, así es como llaman en Bambara a la Vespa, el scooter que se ha convertido en un ícono del Made in Italy en todo el mundo. En los años 80, Bamako, la caótica capital de Mali, fue invadida por estas motocicletas de ruedas pequeñas. La Vespa se convirtió en un símbolo de estatus para los habitantes de Bamako, e incluso había gente que se endeudaba para poder comprar una. Pero en el gran país del Sahel, a diferencia de Occidente, ahora solo los nostálgicos ya ancianos siguen recorriendo las calles de la ciudad a bordo de su fiable Vespa. Moi, quand même, c'est l'engin préféré que j'ai. Je l'ai il y a 23 ans maintenant. Si tu me vois monter sur un autre engin, c'est que je suis en panne. Imposible de me dépanner. En Bamako, los talleres que trabajan con Vespas no son otra cosa que la sombra de un gran árbol. Sin embargo, son comparables a los Vespa Club de estilo occidental, un punto de encuentro para los entusiastas del legendario scooter. Motor indestructible, buena estructura, buena apariencia y un consumo reducido. Sin embargo, en Mali el mercado de la Vespa ha sido sustituido por las Yakartas. Con este término se hace referencia a todos los scooters de fabricación china y de submarcas de Yamaha, KTM y Honda. Son ciclomotores muy ligeros de 4 marchas y sin embrague que tienen un bajo consumo y un precio de venta de poco más de 6,000 pesos. 45, 90, como ça. Bête, ma moto ñana ma wara tunde bet mba mo si sa jaar daw nana dem zone a te consommer donc lu ba fe jaar ta fe da fe sot si sa to robo de ba fe parce que ba jo ya ka so bu be je be na so ra a te fe mais ça c'est garanti quoi. Mais présentement nous sommes affrontés à des difficultés de pièces de rechange. Avant, on faisait parvenir des Vespas d'occasion qu'on amenait de la France ou bien de l'Italie. On les détachait, donc quand tu es en panne, tu vas chez le revendeur, tu payes ces pièces-là, ça c'est des pièces d'origine. Présentement, on n'arrive plus à avoir ces pièces-là. On importe des pièces enfin venant du Nigeria, et qui enfin, quand tu le montes, ça c'est à tes dépens. Ça fait 2 jours, c'est ça. Si ça fait 1 mois, c'est ça. Si ça fait 1 an, c'est ta chance. Aussi, c'est un jeune sur une Vespa à Bamako. C'est quand même... c'est grand. Parce que même les vieux qui ont une Vespa, on se voit au feu et disent « Non, petit, ça c'est pas pour toi. Hein. Y a pas l'âge d'avoir cette moto. Hein. » Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était quelque chose de très très cher, hyper cher. Et le Malien est parti au Sénégal pour chercher pour acheter le Vespa. Et du coup, ceux qui avaient encore cette moyen-là de s'offrir une Vespa, c'est les mêmes gens qu'ils ont aujourd'hui. Et ça veut dire qu'il y a un amour derrière.